25 avril 1940, à Québec, les femmes obtiennent le droit de voter aux élections provinciales. 14 décembre 1961, Claire Kirkland Casgrain devient la première femme élue à siéger au Parlement. Le 20 septembre 2002, autre date importante, une femme devient chef d'antenne à un bulletin de fin de soirée. Et finalement, le 20 juin 2006, les femmes obtiennent finalement, enfin, l'équité salariale. Bravo, bravo. Effectivement, la situation des femmes a fait énormément de progrès, et je pense pas me tromper si je dis que tout le monde est d'accord avec moi. C'est une bonne chose. Parfait. Maintenant, on peut-tu passer à d'autres choses? Non, mais attention, là. Je veux dire, c'est très positif, là. C'est très, très positif. C'est juste que... Non, mais je veux dire qu'il y a des affaires, des fois, là. Quand même, admettez, là. Tu sais, comme l'espèce... Tu sais, l'espèce de manie qu'on a. Tu sais, de toujours dire les deux sexes tout le temps. Tu sais, les Québécois et les Québécoises pensent ci, les Canadiens et les Canadiennes pensent ça, les Américains et Américaines pensent pas, bon, tu sais. Ah non, puis même là, c'est pas vrai, il faut dire le masculin en deuxième. Hein, là, il faut dire les Québécoises et les Québécois. Hein, parce que ça là, si tu dis l'inverse, c'est sexiste. Mais non, ça n'a aucun rapport, c'est une question d'habitude, c'est tout. T'es pas moins hot parce que t'es nommé en deuxième, me semble. Tu sais, si je m'achète une perceuse Black & Decker, je me dis pas, hey, Black, il devait être bien plus hot que Decker. Non, mais attends, méprenez-vous pas. Hein, la condition de la femme s'améliore de plus en plus, et c'est parfait. C'est parfait comme ça, là. Mais la condition de l'homme, elle, hein? Non, mais il est où, notre ministre, la condition masculine? Hein? Il n'y en a pas, parce qu'on prend pour acquis que pour les hommes, ça va bien. Mais c'est pas vrai. L'homme est souvent défavorisé. Non, mais un homme qui avoue avoir été battu par sa femme, hein, on le réconforte pas. On est bien trop crampé pour le consoler. Il y a un salon de la femme. Nous autres, on a quoi? Des cages au sport? Tu sais, avant, on avait des tavernes, mais là, ils affichent tout bienvenue aux dames. C'est-tu écrit bienvenue aux hommes dans la vitrine chez Yves Rocher? Bon, pas qu'on irait, mais je veux dire, une invitation serait appréciée. Pourquoi les femmes ont 40 paires de souliers, puis pas nous autres? Oui, bon, OK, on saurait pas quoi faire avec, anyway, mais bon. C'est vrai, qu'est-ce que tu fais avec 40 paires de souliers? Pour séduire les hommes, je sais pas, hein, on fuck les souliers, le trois quarts du temps, ce que le gars veut, c'est une botte, fait que, bon. Je sais faire les souliers. Non, bon, là, ça va plus, c'est mêlant, parce que là, la femme se masculinise de plus en plus, l'homme doit se féminiser de plus en plus. J'en parlais la semaine passée à mon gynécologue, puis je me disais... Tu sais, je disais, c'est quoi le dernier bastion des hommes, là? L'affaire qui est réservée exclusivement aux hommes, c'est quoi? La prêtrise, la job que personne veut avoir et où les hommes portent des robes. Là, je dis le dernier bastion, attention, hein, peut-être pas pour longtemps, là. Parce que là, il y a des femmes qui se battent pour avoir le droit de devenir prêtres à cette heure. Non, remarque, ça ne me dérange pas, là. Attention, on s'entend, là, je m'en fous, là. Je veux dire, si une femme veut devenir prêtre, pourquoi pas? T'sais, je veux dire, honnêtement, si j'étais enfant de cœur, j'aimerais autant être abusé par une femme. T'sais. Bon. Mais la question que je me pose, là, les femmes, là, voulez-vous vraiment être prêtres? Mais non, les femmes ne veulent pas être prêtres. Ça les fait juste chier de ne pas avoir le droit. Hein? À part de ça, pourquoi les filles payent moins cher que les gars pour conduire, hein? Les assurances, c'est moins cher pour les filles, pourquoi? Oh, parce qu'on est plus prudente, on fait moins d'accidents. Oui, OK, ça c'est vrai, faut le dire, il faut rendre César ce qui lui appartient, c'est vrai, c'est officiel, de toute façon, anyway, c'est prouvé. Scientifiquement, c'est prouvé, statistiquement, c'est prouvé que ma blonde, mettons, va faire moins d'accidents que moi au cours de sa vie. C'est sûr, c'est moi qui chauffe! Puis pourquoi c'est moi qui chauffe?
Mais parce qu'elle chauffe mal. Le pire là-dedans, c'est que si jamais un gars se plaint, tu peux jamais te plaindre, parce que si un gars se plaint, il y a toujours une fille pour te dire « Ah, les gars, arrêtez donc de vous plaindre. L'homme a dominé la femme pendant des siècles. » Ben oui, mais... J'étais pas là, moi! Là, on est en 2006, je veux dire, moi, les gars que je connais, ils font du ménage, ils s'occupent des enfants. Fait que là, chez nous, ben, aller faire chier nos grands-pères. Côté sexe, pas facile non plus pour les gars, là. Tout le monde connaît l'expression, là, il n'y a pas de femmes frigides, il n'y a que des hommes maladroits. Hey, ça, c'est le fun, ça, d'abord. Mais oui, c'est de notre faute, ça aussi, à cette heure. Verrais-tu ça l'expression inverse? Il n'y a pas d'hommes impuissants, il n'y a que des mauvaises suceuses. Pas sûr que ça passerait à l'office des expressions, ça, hein? Tu sais, une femme frigide, hein, ça c'est tragique, tu sais, il faut être à l'écoute de ses besoins, être branché sur ses désirs, ses émotions. Mais un gars qui bande mou, là, hein? Ah! Ça c'est drôle! Ah! Ça c'est drôle! Ah, la nuit, là, le gars, il dort pas, il ose même pas la voir à personne, il se recroqueville sur lui-même, il se referme tranquillement, en espérant jour après jour que ça va finir par passer. En tout cas! Et là, regarde, on va clore un débat qui dure depuis trop longtemps. Pourquoi y a-t-il moins de femmes en humour? Ah, oh, c'est pas juste. Bon, vous le dire, c'est parce que quand tu commences en humour, souvent, tes premiers contrats, c'est des tournées dans des bars minables. Tu joues devant des publics de Soulon qui te garochent des insanités quand c'est pas de la pierre. Et les femmes, ça les intéresse moins, ça. Non? Mademoiselle veut faire le théâtre Saint-Denis de suite. Regarde, commence par la rue Saint-Denis, puis on verra après. Puis honnêtement, les femmes sont moins drôles en général. Je veux dire, les gars, on est plus comiques. En général, je veux dire, tu sais, je veux dire... Mais non, mais je veux dire, il y a une raison à ça, là, c'est très clair, là. C'est parce que les femmes cherchent des hommes qui ont le sens de l'humour. Fait qu'on le développe! Ben oui, il faut bien avoir le sens de l'humour. Avez-vous remarqué, à la TV, de plus en plus, on dirait que juste les gars qui ont le droit d'avoir l'air épais. C'est vrai, on est toujours moins intelligents, on dirait. Où sont nos niaiseuses d'autrefois? Hein? Chrissy dans Three's Company, Agnès dans Les Brillants, Anne-Marie Lozic dans pas mal toutes, finalement. Ben ça, il y a juste les gars qui ont le droit d'avoir l'air cave, des annonces, là, c'est pire que tout. Dans une annonce, là, t'as besoin d'un gars pourri, t'as besoin de quelqu'un de pourri dans le ménage ou dans la cuisine, bon, tu prends un gars. Quelqu'un qui comprend rien, un gars. Un castor niaiseux, un gars, bon. Oh, écoute, tu vois une fille, elle mange de la gomme. Tu sais, la fille est contente, tu sais, parce que la gomme, le goût dure longtemps. Puis là, à la fin de l'annonce, la fille regarde son chum, puis on l'entend penser, « Ah, si seulement tout pouvait durer aussi longtemps. » Ah! Ça, c'est drôle, ça! Une joke de gars qui vient trop vite. Ah, ça, c'est toujours le fun. Ça a toujours sa place. Pout, 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 oh, excuse-moi, chérie. Ah, ça, c'est drôle. On va faire une annonce de gomme avec ça. Essayez d'imaginer 2 secondes une annonce, là, mettons, de pizza qui livre en moins de 30 minutes. Puis le gars, à la fin de l'annonce, il regarde sa blonde puis il dit, ah, si seulement tout pouvait venir en dedans d'une demi-heure. Non, ben, je vous le dis, hein, les gars, un jour, on va se réveiller et les femmes vont contrôler la planète au complet. Pourquoi? Parce qu'ils sont organisés, sont préparés, ils planifient, sont intelligentes, sont structurées. C'est vrai, ça! Surtout, ils coordonnent leurs efforts. Pourquoi vous pensez qu'ils passent des heures au téléphone? Ils préparent leur coup. Oui, bon, OK, je sais que ça gère peut-être un peu. Mais dans le fond, les gars, là, hein, ce qu'on veut, là, c'est pas compliqué. Nous autres, les gars, ce qu'on veut, c'est...
c'est être aimé pour ce qu'on est et pour ce qu'on a à offrir. Oui, c'est vrai. Des fois, on est plus immature que vous autres. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On est peut-être même moins intelligent. Ça se peut, ça. Peut-être, oui. OK, OK. Mais on a des qualités quand même. La preuve, on vous aime. Merci, merci beaucoup. Invité la deuxième partie, prochain humoriste que vous allez voir sur scène. On l'a vu tantôt. Vous avez sûrement remarqué qu'il n'a pas la langue dans sa poche. On l'a connu comme co-auteur des Bougons. On l'a vu aussi comme comédien dans Virginie. C'est un humoriste qui était dans mon gala l'année dernière. Ça a été, en tout cas pour moi, la plus belle révélation du festival l'année dernière. Il revient encore une fois cette année. Un de mes humoristes préférés, M. Jean-François Mercier. Une bombe vient d'exploser en pleine rue. Un enfant est mort. La question nouvelle. Trouvez-vous qu'on est trop tolérant envers les motards criminalisés? Là, ils sont tous contents de nous dire que 98 % des gens ont répondu oui. Mais moi, ce n'est pas ça qui m'épate. Moi, qu'est-ce qui m'épate? C'est qu'il y a 2 % des gens qui ont répondu non. Il y a 2 % des gens qui font ben non, pas de problème là, là, moi. C'est quoi, là? Va-t-il falloir demander la permission pour faire sauter des bombes dans la rue à cette heure? En partant, la question aux nouvelles, hein, on s'entend-tu pour dire que c'est un peu biaisé? Ça se pourrait-tu que le monde qui appelle là fasse pas toute partie de l'élite intellectuelle de la société? Hein? Je suis sûr que tu poseras la question, est-ce que ceux qui appellent pour voter pour la question des nouvelles sont des imbéciles? Tu en aurais 50 % qui répondraient oui. Là-dessus, la moitié qui sont des imbéciles, puis l'autre moitié qui voulait voter non, mais qui était trop cave pour peser sur le bon piton. Aujourd'hui, le problème de l'information, c'est que c'est un spectacle, t'sais. Puis le problème avec l'information spectacle, bien justement, c'est un spectacle, t'sais. On en veut toujours plus, t'sais. Comme quand tu vois qu'il y a eu un tremblement de terre qui a fait 4000 morts, tu fais 4000 morts, c'est moins que le tsunami, ça. Ouais, ouais. Puis ils veulent qu'on leur envoie de l'argent. Ils ont du front. Moi, la première fois que j'ai allumé que les médias exagéraient la réalité, c'est quand il y a eu le verglas. Vous vous souvenez de ça, le verglas? Durant le verglas, ils nous montraient des crosseurs qui profitaient de la détresse du pauvre monde pour augmenter le prix. Je me souviens, ils nous avaient montré un vendeur de chandelles, OK? Le gars d'ordinaire, il vendait des chandelles de porte à porte, 2 piastres chaque. Mais là, durant le verglas, il en avait profité, il avait boosté ses prix, il vendait 10 piastres chaque. Hey, si ça, c'est pas profiter de la détresse du pauvre monde, là. Ben, regarde, on va s'en remettre dans le contexte, tu sais. Tu sais, c'est le gars qui vient sonner chez vous à l'heure du souper pour te vendre des chandelles, là. Tu sais, tu le sacs dehors à coups de pied dans le cul en lui disant que ça t'intéresse pas, là. Tu sais, on se retient d'y cracher d'en face. Ben, pour une fois dans sa vie qu'il aurait sonné chez vous, que tu aurais été content de le voir. Pour une fois dans sa vie où il aurait pu faire un peu d'argent, puis peut-être manger d'autres choses que du gruau. Bien, cette fois-là, il a passé à TV en gros plan, puis Jocelyne Cazin disait de lui, « Monsieur, vous n'avez pas honte de profiter de la détresse du pauvre monde? Hey, c'est un vendeur de chandelles! C'est lui, le pauvre monde! » Lui, le verglas, ça n'a pas fait une grosse différence, hein? Parce que lui, ça faisait longtemps qu'Hydro-Québec l'avait coupé. C'est sûr, comment est-ce que tu veux qu'il paye ses comptes à 2 piastres la chandelle? Hey, il nous avait montré des crosseurs. Un gars à Quincaillerie, OK, qui d'ordinaire vendait sa génératrice 2 000 piastres, bien la même génératrice durant le verglas, il en a profité pour booster les prix, il vendait 5 000 piastres. Hey, si ça, c'est pas profiter de la détresse du pauvre monde, là? Encore, on va régler de quoi tout de suite, OK? Le pauvre monde, là, ça s'achète pas des génératrices à 5 000 piastres pour 2 semaines de panne d'électricité. Non. Le pauvre monde, là, ils sont cordés dans des gymnases en train de puer.
Là, regarde, regarde le journaliste. Lâche le gars de la quincaillerie, là, puis va donc voir qu'est-ce qu'il fait dans la vie, le gars qui a acheté la génératrice. Parce que moi, je sais par expérience qu'un gars qui se sac de perdre 3 000 $, c'est parce d'ordinaire, il faut du monde pour bien plus que ça. Là, tu aurais peut-être une histoire intéressante à raconter, mais là, c'est sûr, c'est plus de troubles, il faut que tu fasses des recherches, une enquête. Moi, je le connais, le gars qui a acheté la génératrice, tu sais. Ouais. Il est propriétaire d'une shop de chandelles. Il fait de l'argent comme de l'eau, OK? Chaque chandelle, il coûte 10 cents à faire. Il vend ça 1,5 $ à des tatas qui essayent de nous les revendre, 2 $ chaque de porte à porte. Hey, une autre affaire, je suis plus capable. Les jeux de mots des journalistes. Quelle bande de crétins, hein? Tu peux être certain que s'il y a une inondation, tu vas entendre, le moins que l'on puisse dire, Jean-Luc, c'est que la fête s'est retrouvée à l'eau. Hey! Le gars vient de tout perdre dans une inondation, puis l'autre, tout qu'est-ce qu'il voit, c'est qu'il va pouvoir faire son petit jeu de mots, moi ça, là. C'est la goutte qui fait déborder le vase. Puis les vox pop, hein? Madame, trouvez-vous que la ville est sale, tu sais? La bonne femme qui est le moindrement pas trop conne, là, qui a le goût de passer au bulletin de 6 heures, assez ce qu'elle a à faire, on déplore que Montréal est rendu une vraie poubelle, tu sais? Puis là, t'as le journaliste qui filme des papiers à terre. Hein? La bonne femme qui chiale que Montréal est sale, le journaliste qui filme des papiers à terre, on l'a tué la preuve que Montréal est sale. Là, le journaliste, il part, puis ça va montrer ça au maire. Monsieur le maire, qu'est-ce que vous comptez faire contre ça? Qu'est-ce que tu comptes faire contre ça, le monde qui jette le papier à terre? Sérieusement, qu'est-ce que tu veux que le gars réponde à ça? Ce que je vais faire, je vais interdire les papiers. Non, 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 mieux que ça. Je vais mettre une caméra dans le cul de chaque citoyen avec une grosse batterie de char, puis quand il y en a un qui va jeter un papier à terre, ça va lui donner une décharge électrique dans le cul, puis ça va lui brûler l'anus au 3e degré. Le moins que l'on puisse dire, Jean-Luc, c'est que le pollueur avait littéralement le feu au cul. Avant, les pollueurs auraient pu plaider l'ignorance, mais maintenant, avec la grosse batterie, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils étaient au courant. Tu sais, c'est sûr, l'information, c'est un divertissement puis c'est un spectacle. Mais c'est un spectacle qui nous a coûté cher quand il y a eu le bug de l'an 2000, hein? Quelque chose comme 200 milliards. Ça, c'est pas mal pire que les commandites, puis ça, il n'y en a jamais eu d'enquête là-dessus. Hein? N'importe qui avait déjà travaillé avec un ordinateur le savait qu'il n'arriverait rien. Mais les médias, c'est qui vont diffuser? Le gars qui te dit qu'il n'arrivera rien ou celui qui te prédit que le 1er janvier 2000 à minuit, tous les avions qu'il y a dans le ciel vont s'écraser, les ascenseurs vont prendre en feu, puis regarde, je ne serais même pas surpris que ta tondeuse à gazon te parte après et te chopper les gosses, OK? Le monde qui nous ont dit ça, là, ils sont pas en prison avec Chuck Guité, ils sont au Bahamas puis bien crampés. La seule catastrophe qu'il y a eu le 1er janvier 2000, c'est que moi, vu qu'il m'avait dit qu'il n'y avait plus aucun appareil électrique qui marcherait, j'ai acheté plein de chandelles d'un gars qui passait de porte à porte. Sauf que ces chandelles, ils brûlent comme de la merde, OK? J'ai passé au feu. Là, c'est sûr, tu sais, tu vois ta maison brûler, tu perds tout. Les journalistes viennent t'interviewer, j'étais pas super de bonne humeur, tu sais. Le lendemain, j'ai lu dans les journaux que j'avais tenu des propos pour le moins incendiaires. C'était Jean-François Mercier! Jean-François Mercier! C'est vrai que c'est toujours spectaculaire, hein, les bulletins de nouvelles. Faut toujours que ça soit hot. Tu sais, vous vous rappelez, il y a une couple d'années, c'était le virus du Nil. Tout le monde capotait, là, le virus du Nil! Méfiez-vous des maringouins, attention, si vous trouvez un oiseau mort! Puis là, finalement, tu te rends compte qu'au bout de l'année, il y a eu à peu près 2 morts du virus du Nil au Canada, là, je pense, quelque chose de même. Je pense qu'il y a eu plus de monde mort étouffé par un stylo. Alors, je vous donne un cue cette année, méfiez-vous des stylos! Prochain invité, prochain numéro, vous allez voir... Laurent! C'est un numéro particulier, Laurent, parce que... Laurent! J'ai trouvé un numéro! Tu vas capoter! Justin!
J'ai une idée de numéro, mon Laurent, c'est fou! Tu vas voir, ils vont en parler dans les journaux demain, ton gars-là, ça va être écœurant! Un numéro extraordinaire, un chef-d'œuvre! Sais-tu ce que c'est? Non. C'est un medley. 30 chansons d'émissions pour enfants en 20 minutes! Je te donne 5 minutes. 15 minutes. 4 minutes. 10 minutes. 3 minutes. OK, correct. 3... 10 minutes. 3 minutes. OK, correct. Ghislain Dufresne, mesdames, messieurs. Merci. OK. 30 chansons en 3 minutes. Musique! Passe mon t'aime les papillons, les souliers neuf moineaux, huit marmottes, sept lapins, six canards, cinq fourmis, mini-fées. Depuis qu'on la connaît, on ne s'ennuie jamais plus, on ne vivra l'épopée de bonhomme. Pas en voyage, capitaine Flamme, tu n'es pas de notre Voie lactée. Mais tu l'as traversé l'histoire du petit castor, le plus petit bateau sur l'eau du Pacifique, dans un pays où il fait chaud sous le ciel des tropiques. Nique-pique, en ballon, nique-picotine, parce que j'ai une drôle de mine, des picots plein la figure et de drôles d'aventures. Il faut rattraper les pierres à feu, vilain à toute allure, et prenons le temps de rire. D'astuce, d'espièglerie, c'est la vie de Candy. Mais elle rêve et elle imagine, tous les soirs en s'endormant, dibule venant d'un paillasson de drôle de pistolet. Il marche sur la tête, mais quand il devient l'homme incroyable, ça le rend sympathique et c'est formidable. Le robot des temps nouveaux. C'est Goldorak, le grand de ville où les petits villages devant nous défilent de jolis paysages. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi et je me balade dans la vie. Viens avec nous chez Barbapapa, y'a Barbapapa, Mamam, Barbidou, Barbouille, Barbabelle et Barbibule, Barbiture et Barbotine et Barbalala. Skibi, Skibi, regardez tous avec nous, sommes les petits schtroumpfs. Vous aimez-vous les schtroumpfs? Ces petits êtres bleus, blancs, rouges, c'est moi, Bozo le clown. Le cœur sur l'araignée, l'araignée est beaucoup plus qu'un douce moyen. Et Yugi l'ours est toujours bourré chez le voisin. C'est Batman, pauvre luche va raconter les topies. Télétopies, disent bonjour. Tiki Wiki, des psys. Pompaï le vrai marin, c'est moi Laurel, c'est toi Hardy, c'est moi le gros et toi le petit, c'est moi Laurel, c'est toi Hardy, et nous sommes de bons amis. Ils sont ici, ils sont ici, ils sont ici. Merci beaucoup, merci. C'était Ghislain Dufresne. Ghislain Dufresne, mesdames, messieurs, et Philippe Turcotte. 30 chansons en 3 minutes. Voilà. Pendant qu'on installe les éléments du prochain numéro, mesdames, messieurs, nos prochains invités, c'est un duo. Le premier, c'est le plus mordant de nos imitateurs et le deuxième, c'est le plus francophone de nos Anglais. Ils ont fait un spectacle l'année dernière au festival qui était le petit gala de l'actualité. Ça a été un franc succès. Cette année, ils nous reviennent encore plus mordants que l'année passée. Et ce soir, ils nous présentent un extrait de leur spectacle. Gang de chanceux! Oui, je vois que ça vous énerve, c'est écœurant.
Okay. Mesdames, messieurs, qu'on les accueille, mais très fort, Pierre Verville et Christopher Hall. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette rétrospective des six premiers mois de l'année. Première nouvelle, malgré la grogne chez la population, Jean Charest est quand même allé de l'avant avec la vente du Mont Orford. Mais oui, mais franchement, là, hein? Mont Orford, Mont Orford, arrêtez de paniquer avec ça, hein? Faudrait pas en faire une montagne, hein? Pour la suite, inquiétez-vous, non, bon, inquiétez-vous pas. Moi, là, pour chaque solution, je peux facilement trouver deux problèmes. En février, un train déraille tout près de Trois-Rivières et déverse 100 000 litres d'essence dans un cours d'eau. Monsieur Hubert Reeves. Ce déversement a eu un impact considérable sur la faune aquatique. La preuve, hier, j'ai pêché trois poissons. Un ordinaire, un super et un sans plomb. En 2006, on crée encore la panique avec la grippe aviaire. Comme si c'était une affaire qu'on attrapait aussi facilement qu'une gonorrhée dans un party de cégep, hein? Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Marc Labrèche? Oh, mon Dieu, la grippe aviaire! Oh! Oh, mon Dieu, pour l'attraper, mon Dieu, il faudrait que j'aille en Malaisie m'acheter une vieille poule plumée morte depuis 6 mois. 87 clients potentiels l'auraient tenté de leur main, qui auraient traîné dans on ne sait quel orifice. Mais que moi, j'empoigne la dite poule, je la french goulûment. En ne sachant pas qu'il avait... et qu'il a toujours un abcès buccal qui bouge encore. D'après moi, il l'a déjà attrapé, la grippe aviaire et la vache folle. Scène sportive maintenant. L'événement de l'année, bien sûr, la performance canadienne aux Olympiques d'hiver de Turin. Monsieur Gérald Tremblay. Moi, les Olympiques, j'ai suivi de près l'équipe canadienne de curling qui a gagné l'or, là. J'ai été tellement impressionné, je voulais engager les deux gars qui balayaient vite, là. Ils ont refusé, ils voulaient continuer de balayer vite. Technologie. Récemment, les grands constructeurs automobiles ont annoncé que leurs modèles 2007 seront dotés de deux klaxons. Le klaxon habituel, bip, bip, et l'autre klaxon conçu spécialement pour les Fathers for Justice. Décolle du pont, mon tabarnak! Jeu gay maintenant. Nos caméras ont surpris Stephen Harper en train de préparer son discours. Chers amis gays, non, je ne peux pas. Ce ne sont pas mes amis, quand même. Je suis très content d'être au jeu des homosexuels. Non, les jeux des homosexuels, je ne veux vraiment pas savoir ce qu'ils font. Si je suis venu, c'est que vous m'avez touché. Hockey. Hockey. Malgré la belle tenue du gardien Cristobal Huet, le Canadien s'est quand même fait sortir par les Hurricanes. On peut donc dire que Théodore lui a été supérieur. Il se fait sortir de Montréal par Bob Gainey, des séries par Anaheim et de la maison par sa femme. Scène culturelle. L'onde de choc suite à la biographie de l'automne dernier se poursuit. L'aveu public et le courage démontré par cette vedette québécoise a permis à plein de gens de se dégager de la honte qui les envahissait. Écoutons-la nous parler de son prochain livre. Bon, c'est moi, Jacques Demers. Mon prochain livre va s'appeler Moi, Jacques D, 56 ans, auteur analphabète, millionnaire. Scène juridique, judiciaire. Lorsque Guy Cloutier sortira de prison, il n'aura pas le droit d'être en présence d'un enfant sans que l'enfant soit accompagné d'un autre adulte. En autant que l'adulte en question ne soit pas Dave Hilton. Toujours sur la scène culturelle. Jusqu'à présent, le film de l'année est sans contredit le Da Vinci Code. Basé sur le roman du même nom, le succès du Da Vinci Code aurait donné des idées à Michel Tremblay. Certains, je suis en train de réactualiser certains de mes romans. Donc, ça donne, c'est à ton tour, Da Vinci Gadieu. Demain matin, Da Vinci Matin. La grosse Da Vinci d'à côté est une sainte. Pour sa part, Stéphane Rousseau sera de la distribution du film Astérix 3 aux côtés de Gérard Depardieu. Monsieur Depardieu, il paraît que d'autres Canadiens vont jouer avec vous dans le film. Oui, oui, effectivement, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, ça, oui. Pauline Marois va jouer C'est fini la politique.
André Boisclair, j'ai des dents fantastiques. Et Stephen Harper, j'évite les journalistes. Rappelons que Gérard Depardieu avait eu tout un défi pour jouer Obélix. En effet, il avait dû perdre 30 livres. Il y a eu le scandale à C'est quoi? Jean-René est parti, Normand est parti. Réal est parti, Jean-René est revenu, Roxane est partie, José est arrivé, Alex est revenu. Et ça leur prendrait un siège éjectable, rétractable, avec un sourdine intégré. Ça existait, on s'en servirait. Et en terminant, sur la scène musicale, il y a eu la sortie de l'album Hommage à Serge Fiori, suivi du spectacle Hommage à Fiori. Pour vous démontrer que Fiori mérite toute cette attention, on vous laisse sur ces images qui datent de l'époque d'Harmonium. On a allé tout ce monde et avait quelque chose à raconter. On a mis quelqu'un au monde, on devrait peut-être l'écouter. Dis-moi c'est quoi ta toune qui m'arrive dans les oreilles tout le temps. C'est moi, j'ai bu bien tant comme avant. Bien tant comme avant. M'oublier les oreilles. Votre travail vous stresse si vous n'avez pas toujours le temps pour une escapade en pleine nature. Eh bien, qu'à cela ne tienne, amenez la nature à vous. Faites comme moi. Acheter une partie du Mont Harford. Car comme on dit, si la foi soulève les montagnes, le Parti libéral, lui, la vend. Dépêchez-vous, il en reste de moins en moins. Ah, le Mont Harford. À l'image de notre gouvernement. Ce soir, vous savez, on voulait un gala d'opinion, alors disons que c'était assez difficile de passer à côté de notre prochain invité. Certains le trouvent mordant, d'autres le trouvent dérangeant. Personnellement, je le trouve crampant. Mesdames, messieurs, Dieudonné! À la tête, allez-y les gars, faites gaffe! Ah, repliez-vous! Non, c'est pas grave! L'escadron d'Africains, là, au front, les mecs! Allez-y, devant! Allez, allons, enfants, jour de gloire, c'est juste là, le jour de gloire, vas-y! Faites gaffe, Didier, tu vas te faire dégommer. Ah, évidemment, ils vont se faire descendre, non, mais je sais qu'ils vont se faire descendre, mais... Comme ça, nous, derrière, ça nous fait un tapis de sol, réfléchis un peu. Comme ça, on peut passer avec les 4x4 sans s'en foutre plein dégueulasse. Oui, mais quand ça bloque, faut trouver des combines, abruti. Non, mais ferme-la, c'est qui le gradé, ici? Dis donc, oh! Putain, il est où, Francis? Francis, reviens!
Il est où le toubib, là? Non, non, j'ai mon abcès au cul qui me relance, là. Va me le chercher, là. Là, je tiendrai pas, là. Dépêche-toi, il a rien à foutre au front, là. Quoi? Qui c'est, lui? Les gars, là, les sentinelles, c'est qui, le mec qui arrive en rampant, là? Oui, ben, tu sais pas qui c'est, à qui c'est, le gars, là? Tu sais pas... Hein? Enlève-le, c'est quoi, ça? C'est à nous, c'est pas à nous, ça? Hein? Qu'est-ce que cette gueule-là? C'est du péruvien, c'est quoi, ça? T'as paumé ton orchestre, t'en es où, toi? Hein, retire le casque. Mais qu'on regarde le pelage, abruti, c'est à ça qu'on va reconnaître. Non, non, ça frisote, c'est du bicon, ça met ça là. Faites gaffe, les journalistes, il y a un terroriste, certainement. Alors, salam alaikum, toi, t'en es où, toi? Quoi? Vas-y, bute-le, on n'a pas le temps, là. Dégage, toi. Non, mais va faire ça plus loin, t'es malade ou quoi, toi? Comment tu veux faire une guerre propre avec des bras cassés, pareil? Allez, dégage-moi ça. Bon, vous me laissez avec les journalistes, les gars. Faut que je réponde à des questions, là. Avant qu'ils se fassent kidnapper, là. Oh, ça va! Oh là là. Attention, restez pas là, faites gaffe, ils arrivent! Ouais, c'est la coalition, ça. Ouais, c'est les Américains, ça. Ouais, ils sont avec nous, non, mais ils sont tout seuls, hein. Faut faire gaffe, quand même. Ouais, non, ok, ok. Ah, j'ai mal, j'en souffre, là, j'ai une vieille blessure qui se réveille, là. Il y a un médecin qui est venu avec votre équipe, non? Non, parce que j'ai un abcès au cul, en fait. Tu sais, c'est une histoire de poil qui se recroqueville dans le fion, là. Ça me fait un cul de babouin, j'ai un ballon de basket comme ça. Oh, je déguste. Et qu'est-ce qu'il y a, madame? Ouais, je sais bien, on n'est pas là pour parler de mon cul, madame. Ouais, ben, là, vous êtes au front, madame. Ah bah il n'y a pas plus, là c'est là, vous êtes au front. Où est-ce qu'on en est? Non, on est bien là. Mais l'aviation américaine a bien bossé, hein. C'est vrai qu'ils savent bosser les gars. 400 000 tonnes de bombes dans la matinée, c'est clair que ça dégage l'horizon, c'est clair. Mais il y avait une montagne ce matin, là, juste là. Un genre de Mont Blanc arabe, quoi, les mecs. Ils venaient skier à 4000 mètres et tout, les gars. Bon, celui qui réplique avec les forfaits, faut lui dire que c'est plié, là. Quoi? Ah, et s'il faut Hiroshima sur une bourgade grande comme Fontainebleau, t'imagines bien, quoi. Ah, faut s'adapter à un mode de vie un peu précaire. J'entends pas la question, madame. Là? On comprend pas. Les frappes chirurgicales? Eh ben quoi? Si on en fait? Ah, bien sûr, beaucoup. Énormément de frappes chirurgicales. Hein. Bon, c'est pas de la microchirurgie non plus, vous voyez bien. Hein. C'est plutôt dans le style amputation, hein, c'est clair. Ça, c'est clair que le mec qui est dans un rayon de 300 mètres, qui est aux champignons, il est bon, hein, ça, c'est clair. Non, dans le respect des conventions de Genève, hein, toujours. Ah ben, nous, on est conventionnés, madame. Hein, Didier, t'as les conventions avec toi? Ouais, les photocopies, ça marche. Hein? Les zones pétrolifères, ça, c'est les Américains, madame. On n'a pas le droit de toucher à ça. Ah non, dans un braquage, c'est chacun son rôle. Hein, je veux dire, on va pas commencer. Hein. Voilà, nous, on est dans la bagnole, on laisse tourner le moteur. Non, je déconne, là. Les pertes humaines? Non, ça va. Ouais, non, les pertes, elles demandent. Oui, l'équipe de Marocains, ouais, on a perdu les Marocains, là. Bon. L'équipe de démineurs, mais bon, nous, à peu près, on est dans nos quotas. Par contre, en face, là, rien que dans la matinée, il y en a 10 000 qui ont plus mal aux dents, je vous le signe. Hein? Attendez, Francis, il est où le toubib? Je fais comment? Ouais, le fion, je fais comment, là? Bon, va me chercher le pistolet, là. Le spécialiste des sushis, là, tu dis de revenir avec ses couteaux. Hein? Va me faire ça à cœur ouvert, là, parce que là, je tiens plus là. Comment reconnaît-on l'ennemi sur le champ de bataille? J'ai une question à la con, c'est quoi ça? Hein? Ah bah nous, on reconnaît personne, madame. Je veux dire, on reconnaît personne. Là, c'est pour ça que je comprends pas la question, là. Ben l'ennemi, madame, l'ennemi, c'est l'autre. C'est autrui, quelque part. Non, c'est celui qui arrive en face, en fait. À un moment donné, tu vas le croiser, l'ennemi, c'est là que ça se passe. Hein, tu vois. Non, c'est pour ça que je comprends pas la question, là. Ah voilà, non, d'accord, par rapport aux tenues vestimentaires, hein, d'accord. Non. T'as pas le temps, les tenues vestimentaires dans la boue, tout ça. Non, moi, c'est la langue. Ouais. Gang. Ouais, t'as raison. Tac dans ta gueule.
Non, mais chez nous aussi, il y en a qui ne parlent pas la langue, mais là, nos Noirs, ils parlent, on ne comprend rien ce qu'ils racontent. Mais ils sont avec nous, les mecs. Bon, ils sont avec nous. Ils sont 500 mètres devant, bien sûr, mais je veux dire... Non, mais bien sûr. Mais c'est notre équipe. On n'a pas le droit de tirer dessus, hein, je veux dire. Hier, on leur fait une croix dans le dos pour ne pas les comparer. Tic, tac, tac, comme ça, tu peux pas te planter. Hein? Non, puis nous, nos Noirs, on les a dressés aussi. Hein. Puis un bon dressage, ça se fait pas comme ça. Un bon dressage de nègre, 3-4 générations. Ouais. Faut bien péter la gueule du père. Faut le mettre minable, faut lui mourir la tronche. Et puis derrière, la descendance, ça marche. Hein. Regardez, nous, les Antillais, regarde ce qu'on en a fait. Ils ont l'Antillais, là, regarde-le-vous. Regarde-le, l'autre con, allez, galipette, fais les galipettes, maintenant. Voilà, ils sont bien, l'Antillais, il est bien, l'Antillais arrive. Non, l'Irakien, t'arriveras jamais. Hein. C'est la race. La race est méchante. Elle est méchante. Voilà. C'est l'angle. Voilà. Non, t'y arrives pas. Là. Il est hargneux. Et moi, j'ai essayé de l'endresser. J'en ai eu 3, la prisonnier. Si, si, tu vas lui faire... Il va te lever une patte, 2 pattes, après être mort. Il te saute à la gueule. Ça fait combien de temps qu'on essaye de négocier avec ces gens-là? Ça fait 30 ans qu'on est... Les politiques, ils sont là. Merde, alors, les gars, bon, mais... Je veux dire, donnez-nous votre pétrole, les gars, maintenant. Mais... Ils veulent pas, ils refusent. Bon, bah non, nous on est là pour leur rappeler qu'on a la bombe atomique à leur mettre sur la gueule si ça se complique. Hein. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Là, si on se retrouve dans la boue face à face, sans pouvoir se reconnaître. Où ça? Au front là-bas? Ah bah je tire, madame. Ah, sur tout ce qu'il vaut, même si ça bouge pas, je tire, madame. Ah, ça c'est les journalistes, ça c'est les. Non, non, attendez, t'as pas le temps. Hein. Au front, t'as pas le temps, madame. Ah non, tu tires. Moi, c'est ce que j'ai dit à mes gars, vous cherchez pas à comprendre. Vous arrivez au front, vous arrivez comme ça, vous faites un carré comme ça. Après, tu mitrailles tout le temps et tu remplis les cases comme ça. Hop, tu barbouilles, t'en fous partout, tu cherches pas. Non, non, attention. Eh, au front, la vie, ça vaut pas une clope, madame. On n'est pas dans un salon de thé avec les journalistes, là, attention. Là. Ah, moi, je me suis vu descendre mon meilleur copain pour une taf, hein, pour une clope, ben, parce que c'est le mal des profondeurs. Quelque part, t'es là, tic-tac, le moindre truc, la moindre contrariété, c'est... Pardon? Les exactions? Ah non, jamais. Ah non, non. Ah, nous, on est conventionnés. Hein. Donc, à ce niveau-là, nous, il n'y a pas moyen. Là? Ah, parce qu'il peut arriver, madame. Non, les viols, qui a fait ça? Chez les Cassieux Bleus? Ah, pas chez nous. Hein. Chez les Français? Ah non. À mon avis, c'est chez les Italiens, certainement. Il y a de... Non, non, chez les Français, vous ne verrez jamais ça. Non, ce qui peut arriver chez les Français, madame, attendez, c'est humain, je veux dire. Bon, vous libérez un village du terrorisme. Hein, vous empêcherez pas deux, trois... Bon, ben voilà, les gens sont heureux. Voilà, il y a une sorte de liesse populaire qui se met en place. Hein, bon, ça commence à bouger les fions. Bon, ben là, hein, vous empêcherez pas une dizaine de nos gars d'aller se lier d'amitié avec une jeune autochtone. Hein, ça, c'est clair, quoi. Hein, c'est Dame Nature qui s'exprime. Hein, c'est le côté fleur bleue aussi, hein, quelque part. Ah, ouais, et puis attends, avec un peu de chance, ces filles-là, elles peuvent même tomber enceintes. Ah, et quelque part, ça va laver leur rince, hein, je veux dire, c'est... Et ça, c'est cadeau, hein, quand on repart, cadeau, ça tu gardes, ça. Voilà. Là, les pillages, non, jamais, madame. On peut pas se permettre, hein, on est conventionnés. Hein. Donc nous, on pourra jamais... Hein... Non, les Italiens, certainement les Italiens, ça. Ah ben s'il peut se passer, non, ça n'a rien à voir, madame. Mais non, au niveau des Français, le gars il rentre en France, attends, il veut ramener un souvenir. T'empêcheras jamais un mec, voilà, une boîte de chewing-gum, voilà, contre 10 kilos d'or, non, bien sûr. Non mais ça c'est des allusions à la con, on fait pas la guerre pour l'argent ni pour les putes. Les femmes de l'ennemi, il y a le respect, madame. Ouais, mais nous on intervient, on est au bout de la haine, hein, de la chaîne, je veux dire. Non, mais j'arrête de répondre. Eh ben tu réponds toute seule, je m'en fous, ouais. À un moment donné, ça suffit. Thierry, le toubib, là. Non, mais j'ai trop mal, là, l'abcès. Hein? Bon, il est chargé, ton fusil? Jean-Marc, ouais? Tire-moi dans le cul. J'ai trop mal, tire-moi dans le cul. Ah! Mesdames, messieurs, c'était Dieu donné. Dieu donné, mesdames, messieurs. Mes prochains invités, ils se disent eux-mêmes inséparables.
En fait, leurs deux prénoms sont tellement indissociables qu'ils ont pratiquement perdu leur nom de famille. Mesdames, messieurs, Dominique et Martin! Bonsoir tout le monde, vous êtes en forme? Merci beaucoup. Dominique, si tu permets, en commençant, j'aimerais faire un petit sondage maison. Ben, je suis pas là pour te retarder. Merci beaucoup. J'aimerais savoir, par applaudissement, est-ce qu'il y a des gens qui sont concernés par les changements climatiques ici ce soir, s'il vous plaît? Non, s'il vous plaît. Encouragez-les pas, là. On va pas recommencer avec ça, là. Mais là, c'est correct, Dominique. Non, on s'en sac des changements climatiques, là. Mais hey, oui, tu vois bien, là, les gens sont venus ici pour rire. Tu vois bien, ils sont pas habillés pour réfléchir, là. Non, parlons de choses qui nous touchent davantage, là. Si tu veux, bon. Les coussins gonflables. Ah bon? Hey, si tu caves ce yank un peu... Mais non, c'est pas cave, pas en tout des coussins gonflables. Quand t'en as deux, c'est pas cave. Mais à ce temps, ils en mettent tellement des voitures là, que si t'as un accident, tu vas pas mourir à cause de l'impact. Non, tu vas mourir étouffé par tes sacs gonflables. Okay. Merci beaucoup, sacs gonflables. Dominique, tu dis n'importe quoi, les voitures n'ont jamais été aussi sécuritaires. D'ailleurs, dernièrement, mesdames et messieurs, je me suis acheté une Smart et... Tu t'as acheté une Smart. Hein? C'est quoi, là, t'as pas assez d'être serré dans ton linge? Je m'excuse, mais c'est une voiture très spacieuse, tu sauras, Dominique, franchement. Oui, non, spacieuse. C'est une boîte à mal avec des roues. Dominique! Une glacière avec du chauffage. Une boîte de Cracker Jack, mais trop petite, mais c'est une surprise. OK, c'est une petite voiture, mais est-ce conçue spécialement pour la ville? Elle est super facile à stationner, c'est effrayant. Ouais, fait que pour pas pogner de contravention, tu fais quoi, là? T'as cache derrière une bonne fontaine? OK, c'est correct, mais au moins, c'est une voiture économique. Tu peux faire Montréal-Natashquan avec une tank. Mais là, à quoi ça sert? Y a rien à voir à Natashquan. Ça, c'est une autre affaire, là. Le monde qui embarque sur l'autoroute avec cette voiture-là, ôtez-vous d'être là! Rien d'autre, Dominique, y a un très bon moteur là-dedans. Qu'est-ce que tu fais, là? Un frigidaire aussi, ça a un bon moteur, ça n'a pas d'affaire sur l'autoroute. Non, si une vanne te frappe dans ta Smart, là, la seule chose que le chauffeur va faire, c'est qu'il va donner un coup de wiper pour enlever la petite tache que t'as faite dans son windshield. Dominique, t'exagères encore, arrête. Non, c'est vrai, c'est un accident avec ta Smart, là. Le gars du towing va perdre la journée à essayer de trouver l'autre moitié du char. Tu sauras que c'est la voiture qui a eu la meilleure cote de sécurité de sa catégorie, quand même. Ben, c'est sûr, être seul dans sa catégorie. Non, je pense qu'il y a un toaster puis une poubelle de salle de bain avec. Anyway, c'est une voiture qui est bonne pour l'environnement. Tu vas me donner ça au moins, quand même? Ah, ça, c'est sûr. Plus il y a de monde qui se tue avec, moins il y a de pollueurs. Je m'excuse, Dominique, mais quelqu'un qui est en Smart, c'est pas un pollueur. Quelqu'un qui est en Hummer, par exemple, ça, c'est un cave. Mais là, calme-toi, je viens de m'acheter ça en Hummer, moi. Attends, Marthe, attends un petit peu. Tu t'es acheté un Hummer. Ben oui. C'est quoi, t'as pas assez de te perdre dans tes balles? Tu sauras que le Hummer est un véhicule à mon image. C'est-à-dire? Costaud, mais qui s'est resté discret. Ben oui. Dominique, le Hummer, c'est pas un véhicule, c'est un char d'assaut gay. Mais voyons donc, c'est un véhicule comme les autres. Oui, une baleine, c'est un animal comme un autre, y a pas personne qui en ramène une chez eux pour y montrer des taux, franchement. Non, le Hummer, c'est à peu près le véhicule qui pollue le plus sur le marché, c'est incroyable. Ben, vous... Bon, de toute façon, ça me passe 100 pieds par-dessus la tête. Mais t'as pas de mérite, tout te passe 100 pieds par-dessus la tête. Hey, reste donc poli, c'était pas joli. Non, regarde, Dominique, ce que je veux dire, c'est... Mon Dieu, faut se soucier de l'environnement. Qu'est-ce que tu fais du traité de Kyoto, tiens? Bon, ben, là, si à Kyoto, on a des problèmes avec leur environnement, qui s'arrange, là? J'ai eu de l'eau dans ma cave. J'ai-tu fait chier le reste de la planète avec ça? Bon, Dominique, nous autres, ici, faut qu'on fasse quelque chose, tiens. On pourrait faire du covoiturage, toi puis moi. Hey, bonne idée. Tu mettras ton char dans mon coffre à gants, m'a donné un lift. Ben, ouais. Regarde, si t'aimes pas le covoiturage, tu pourrais faire comme moi puis faire du compostage, t'sais. Bon. Oh, parce que monsieur élève de la merde. C'est des matières végétales qui sont décomposées puis on en fait un engrais qu'on met partout sur le jardin, bon. Oh, fait que tu fais pas juste la cultiver, t'as mangé aussi. Regarde, si t'aimes pas le compostage, tu peux faire du recyclage. C'est permis, ça, t'sais. Ah, ben moi, Martin, je veux bien en faire du recyclage. Hein? Mais je peux pas. Comment ça, tu peux pas? Ah, ben moi, je peux pas faire du recyclage. Ben, je veux recycler ma boîte de conserve. Je peux pas érouiller. Je veux recycler ma boîte de pizza. Je peux pas attacher. Je veux recycler ma peine de lait. Je peux pas essirer. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je mette dans le bac si je veux recycler des paquets de feuilles neuves? Non, Dominique, on s'en sort pas. Faut absolument faire du recyclage pour arrêter de couper les forêts du Nord. Comme ça, on la qui mieux pour rien. Regarde, premièrement, on les coupe pas à qui mieux, là, on les coupe à chain de ça.
Puis deuxièmement, les arbres, on les coupe pas pour le fun, hein? On s'en sert. Ben oui, on s'en sert pour faire des énormes patios en bois traité, comme chez vous, justement. Justement. Dominique, il y a de l'arsenic dans le bois traité, ça peut te donner le cancer, ça. Ben là, calme-toi, mon patio, je le liche pas, je m'assieds dessus. Non, si on fait rien, on court à la catastrophe, c'est effrayant, juste à cause de l'effet de serre, tu sais, je veux dire. L'effet de serre. L'effet de serre. Voyons donc, on n'est pas si serré que ça, là. De toute façon, à un moment donné, si on devient trop serré, là, bon, on mettra du monde où il n'y en a pas. Comme ça, là, ça va nous faire quelque chose à regarder, mais qu'on aille en attache-couane avec une tank. Dominique, ce que je te dis, c'est qu'avec le réchauffement de la planète, mon Dieu, il va faire 60 degrés à l'ombre avant longtemps. Là. De toute façon, moi, je m'en sers, j'ai l'air climatisé dans mon bain. Quand t'as perdu ton œil, ta tête, s'est-tu vidée, toi? Non, sérieux. Non, laissez-moi aller, on m'arrange avec tout ça. Ça, c'est une attaque totalement personnelle. C'est parce que c'est cave, qu'est-ce que tu dis, Dominique Calvaus? C'est pas clair, pantoute. Oui, c'est cave, j'arrête pas de te dire qu'il y a des problèmes sur la terre, puis tu me dis des niaiseries, Christy, la bouffe qu'on mange, t'es en train de nous empoisonner, c'est effrayant. Ah! Nous y voilà! La bouffe, hein? Faut toujours que tu nous ramènes à la bouffe. Hey, là, décroche, on commence cette année. Non. Puis de toute façon, de la bouffe, si t'as peur d'en manquer, là, ben cache dans tes bajoux, puis crisse-nous patience. C'est pas une question de quantité, Dominique, c'est une question de qualité. Il y a du poisson qui a tellement de mercure dedans, je pourrais en mettre un dans le derrière, moi, je fais de la température, calvaus. Hey, écoute, ta vie sexuelle ne nous intéresse pas. T'es vraiment inconscient, la grippe aviaire, ça te fait pas peur, ça, toi? Non! Ben, si j'avais une shape de demi-poulet comme toi, je m'énerverais un petit peu, mon gars. La grippe aviaire, c'est exactement comme toutes les autres grippes. C'est pas comme les autres grippes, les poulets meurent, Dominique. Mais oui, mais s'ils meurent, c'est parce qu'ils ont pas de bras pour se moucher. Fait que là, la tête, le remplit de morve, puis ils pètent aux frettes, là. OK, c'est correct. La vache folle, t'en fais quoi? On n'en parle pas de ça, la vache folle. Hey, c'est toi qui as voulu sortir avec cette fille-là, longe-moi! Non, mais je suis sérieux, ça t'inquiète pas de savoir que le steak que tu manges est peut-être d'une vache malade, calvaus. Ouh, j'ai peur! Hey, tu sais que j'ai déjà mangé du thon claustrophobe, ah, moi. Bon? Hey, il y avait une chose que je sorte de cette maudite canne, lui, hein? Puis tu sais que j'ai déjà rencontré une tomate qui avait un dédoublement de personnalité, ah, hein? Bon? Ah oui, une journée, c'est un fruit, le lendemain, c'est un légume, t'as pas de l'air, ton horaire. Toi, tu as déjà vu ça, toi, un popsicle en ménopause? Non, ah, il gèle, il dégèle, il gèle, il dégèle. Maudite bouffée de chaleur, hein? Tu veux vraiment rien comprendre, Dominique? T'as pas l'air de saisir que si on continue comme ça dans 100 ans, la planète sera plus habitable. Ben oui. Dominique, faut absolument qu'on prenne le tournant vert. Ben où? Non, non. C'est une image que je te fais pour te dire qu'il faut se soucier de l'environnement, faut faire attention du recyclage, du compostage. Faut que tu vendes ton Hummer. Non, 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 non. Non, tu vas t'enlever ça de dans la tête, mon ami. Non. Je ne vendrai pas mon Hummer, OK? Non, parce que moi, quand je suis né, là, la marde était déjà pognée sur la terre, OK? Moi, j'ai comme l'impression que les générations avant nous autres, là, ils ont comme fait un gros party, mais c'est notre génération, nous autres, qui est pognée pour nettoyer, OK? Ben, no way, ça se passera pas de même, OK? Nous autres ici, on va continuer le party. OK, Dominique, mais pense à tes enfants, c'est eux autres qui vont payer plus tard. Ben, j'espère qu'ils vont payer, ils feraient pas vivre toute ma vie. Mesdames, messieurs, c'était Dominique et Martin! Dominique et Martin! Dominique et Martin! Prochain invité que je vais vous présenter, c'est très spécial parce que ça fait plusieurs années qu'on se voit dans les festivals puis qu'on se dit « Colin, ce serait le fun de faire un numéro ensemble à un moment donné. » Puis ça marchait jamais, on n'avait jamais le temps, ça donnait pas. Là, cette année, ça donne. Je suis vraiment très content parce que c'est un humoriste que j'aime beaucoup. C'est un exemple pour nous tous. C'est un monument. C'est un des humoristes les plus respectés de la communauté artistique. Excuse, mesdames, messieurs. Excuse, oui, François, c'est parce que tu as dit, c'est un exemple pour nous tous. Oui, oui, c'est ça. Oui, pas fort, ça. Comment ça? Ben, ça fait vieux, je trouve. Hein? Ben, tu sais, ça fait, je sais pas, Géritol, condor en Floride, tant qu'à ça, mais moi, il bérait sa tête, puis il dit à mes enfants de plus m'appeler, tu sais. OK, ben non, okay, ben non, mettons, je dis un mauvais exemple pour nous tous, tu sais. C'est bon, ça. Non, c'est bon, ça fait plus trash. J'aime ça, c'est bon, c'est bon. OK.
Bon, ben, mesdames, messieurs, c'est un mauvais exemple pour nous tous. C'est un monument, un des humoristes les plus respectés de la communauté artistique. Excuse, parce que tu as dit un monument. Oui, dans le sens de monument. Là, ouais, une pierre tombale, là, qu'à faire? C'est quoi, là, tu veux m'envoyer dans un musée, je bouge pas assez vite, ça fait trop longtemps que je suis là, c'est quoi, j'ai-tu des chiures de pigeons sur les épaules, c'est quoi, là? Ah non, ça n'a pas rapport, voyons, non, tu peux pas être un monument, qu'est-ce que tu veux être, là? Dis-tu, moi, c'est toi qui m'as invité, c'est toi l'animateur, arrange-toi avec ça, trouve quelque chose de jeune, de hop, de yes, rock and roll, yeah! De hop? Oh oui, hop! OK, bon, mesdames, messieurs, notre prochain invité, c'est un mauvais exemple pour nous tous, c'est un skateboard! c'est un des humoristes les plus respectés de la communauté artistique. Je suis très content de vous présenter. Mais excuse-moi, parce que tu dis aussi, c'est quoi le respect? Ben oui, c'est pas bon ça! Mets-moi une carte de bingo, ben une petite canne, ben ouais, donc, Galine, tu veux faire ben une canne d'amande avec ça? Ok, garde la chaleur. Non, mais garde, attends, je pense que j'ai trouvé. Je pense que tu vas l'aimer celle-là, tu vas être bien content. Mesdames, messieurs, c'est vraiment un trou de cul. François Léveillé! Plus de respect de mes cheveux gris, s'il vous plaît. Ben là, branche-toi. Branche-toi. J'ai peut-être 20 ans de plus que toi, mais au moins, moi, j'ai du contenu. Ouh. Je parle pas juste de la Rive-Sud, puis mes blondes, puis mes bungalows, puis mes histoires de même. Je suis un monologuiste engagé, moi, monsieur. Les nerfs, Moïse. C'est vrai que les humoristes de ma génération, on est aussi engagés que vous autres, sinon plus. Ben, amène les micros, hein, va te montrer ça, moi. Ça vient-tu? Les nerfs, le fœtus, me concentre. Depuis qu'il y a des gènes de saumon dans les fraises que j'achète souvent, chaque fois que je les mets dans le lavabo, ils ont envie de remonter le courant. Là, regarde, check bien ça. Afin de contrer l'effet de serre qui nous hante, plusieurs pays dont le Canada signent un accord. Il faudrait couper les émissions polluantes, en commençant bien sûr par la poule aux œufs d'or. Hein? Bon, au moins dans le temps, on avait des mélodies que le monde pouvait retenir, nous autres, je sais pas, mais comme des tonnes à fugain, tu sais. Qui c'est qui mange comme vin? C'est pas aucun... Qui est à veille de crouler l'éveillé? Qui c'est que la couche aux fesses? C'est pas qu'un. Qui c'est qui est à veille de la remettre l'éveillé? Je trouve pas ça drôle, moi. Ouais, t'es pas mal tout seul. on a, au moins, nous autres, on avait du contenu, tu sais. Comme... Fardo. Et où le contenu là-dedans? Bon, mon exemple est pas bon là, mais il y en a d'autres comme Yeah. Wow, yeah. Oui, ok, il y a du contenu, ça. Yeah, c'est positif. Yeah. Ouais, Non, le chanteur de ma génération, Daniel Boucher. Tu fais une chanson dans le style de Daniel Boucher. Il y a du contenu là-dedans. Tu sais, juste dans le genre, tu peux improviser une de même, là, tu sais, regarde. C'est à nous autres de dire de qu'est-ce que c'est qu'on pense, que le monde veut, que se dise, que le monde qu'on pense qu'on est, mais peut-être pas autant que ce que le monde se dise, que tout le monde ensemble. On n'est pas tout que c'est qu'on pense qu'on dit qu'on est, mais peut-être plus que ce que le monde dit qu'on pense qu'on n'est pas. C'est sûr que ces mots étaient dans le bon ordre, on pourrait comprendre quelque chose. Un gars de ma génération qui a marqué, là, vraiment, là, qui n'avait du propos, qui avait du contenu, c'est Paul Piché. Ça avait du contenu. Regarde, on va mettre ça au clair tout de suite, là. Paul Piché, c'est bien plus de ma génération que de la tienne. Ben non. Ben oui. Ben non. Ben oui. Ben non. Ben il est bien plus jeune que toi. Ben non. Ben oui. Ben non. Ben oui. Ben non. Les gars. Mesdames, messieurs, Paul Piché! Paul Piché, mesdames, messieurs! Paul Piché, un exemple pour nous tous, mesdames, messieurs, c'est un monument!
Un des chanteurs les plus respectés de la communauté artistique. OK, OK, la présentation, là, c'est assez. Oh, Cresson qui était un skateboard. Vous êtes tous deux skateboards. Sacrément à peine. Bon. Avez-vous besoin d'aide? Oui. C'est comme... ben, t'es plus jeune que François. Écoute, moi, j'ai 32 ans. Pardon? De métier. Ah, ouais, me semblait. Assez pour savoir, en tout cas, que je peux vous dire une chose, c'est que si vous voulez faire des chansons engagées, il faudrait que ça soit plus raffiné un peu. T'sais, ça manque de finesse. Oui, un peu, tu sais, faire des taux, pas direct, tu sais, c'est genre, écoute, moi j'ai un exemple, mettons, une chanson sur l'environnement, mettons, c'est... Okay. L'eau qui ruisselle après la pluie n'a plus le même goût, n'écoutez pas ce que j'en dis, je ne suis qu'un loup, j'appelle, j'appelle au loin, j'appelle au loin. J'appelle au loin. Tu vois, c'est le loup qui symbolise la nature assoiffée, asséchée. Oui. C'est, tu vois, c'est subtil. Tu sais, Oui, c'est tellement subtil, on comprend rien. Calme. On voit bien que c'est pas un gars de ta génération, c'est clair. Ça, c'est une toune qui a été écrite pour Jean Charest. Fais-la, toi, Jean Charest. Ben, c'est écrit textuellement, n'écoutez pas ce que Jean dit. OK, j'avais pas vu ça de même, c'est vrai, finalement, c'est le loup qui mange le mouton. T'as tout compris, vois-tu? C'est clair, ça? Non, moi, ça m'inspire tes affaires, tu sais, comme, je sais pas, t'as une affaire. Y a plus de zone dans le ciel à soir, y a plus de poissons dans nos rivières, pendant que le Canada s'en sert, la corde qui est tout dans le derrière. Tiens, vois-tu? On a vu où est-ce qu'il a fini le détour, mais ouais. Non, laisse le faire, il comprend, il connaît rien. Non, je vais vous en faire, moi, regarde, un exemple. Okay. Attention. Pendant que les gens sont dans misère, Brigitte Bardot s'en vient nous voir. La chasse aux phoques, faut pas la faire. C'est ce que nous dit la vieille ciboire. Hein? C'est direct. On a l'avantage de comprendre ce que tu veux dire. Écoute, je vais vous donner une dernière chance. Essayez de me suivre, là. Avec Charest, y a rien à faire. Il a mis le Québec tout à l'envers. C'est ben trop compliqué, ta toune. T'as juste à dire que c'est une grosse guédoune. Non, mais m'emmener. C'est direct, hein? C'est... OK. Paul, moi, j'ai toujours une question que j'ai voulu te poser. Qu'est-ce que tu veux dire dans ce passage-là? Pour passer le temps, qu'est-ce que tu veux faire? Je suis bien écœuré de m'assurer. Je pense qu'en devenant humanitaire, tous mes problèmes vont s'arranger. Il y a des problèmes partout sur terre, il faut que je commence à m'en occuper. Là, je passe toutes sortes de questionnaires, savoir ce que c'est qu'un ouvrier. Puis si ça marche pas, je boirai de la bière, je boirai assez pour me saouler. J'aurai aux révolutionnaires qui bouillent un peu pour se reposer. Tout en fumant mes belvédères, puis en voyant le monde à l'envers. Mais malheureux de toute manière, la pierre me fait perdre leur sucre. Y'a pas grand chose dans ce la soie, y'a pas grand chose, y'a rien à voir. Y'a rien à voir, y'a pas de lumière. Qu'est-ce que je vais faire dans ce la soie? Je peux pas rester sur mon trottoir. Je vais aller danser, j'ai envie de crier. Maudit, c'est dans la grosse misère. Quand je croyais pour m'ennuyer. Aïe, le dame, t'es de la, 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 t'es. Ainsi que tous les gens qui ont participé au gala ce soir, merci infiniment. Merci à vous de vous être déplacés. Passez une excellente fin de soirée. Bon festival. Et à la prochaine. Bye tout le monde. Laurent Paquin, mesdames et messieurs.